Hello, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'engouement pour la recette de poulet au caramel. Je m'y attendais pas. Je suis trop contente. Ravie que cette recette ait plu, enfin, ait autant plu à tant de monde. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, c'est pour une recette que je fais une vidéo aujourd'hui. Ça change parce qu'à présent, je faisais pas mal de vidéos pour le boulot. Pourquoi je me montre, c'est parce que avant de commencer cette recette, c'est-à-dire mes lasagnes que je vais faire tout à l'heure avec vous, entre guillemets, c'est que je voulais vous expliquer l'importance d'anticiper les choses pour faciliter la vie et pouvoir quand même faire des, on va dire, des recettes élaborées, mais en 3 fois moins de temps, avec de l'anticipation. Pour les personnes qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez à quel point je suis une adepte de la congélation et tout ce qui s'ensuit. Oh my god, je déteste mes bras, bref. Bref. Donc je disais, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point je suis une adepte de la congélation, de la préparation de légumes, etc. Parce que en fait, quand je fais mes courses, je fais mes courses, on va dire, une fois par mois à peu près, parfois même une fois tous les 1 mois et demi, voire 2 mois même, parce que je prépare tout à l'avance. Quand je fais mes courses, en fait, je me bloque 2 jours pour faire mes courses. Le premier jour, je fais les courses et le deuxième jour, je prépare tous mes légumes. Par exemple, quand j'achète des carottes, je sais que les carottes, généralement, on les mange soit en dés, soit en rondelles, soit en bâtonnets, etc. Eh bien, vous allez avoir 1 kg de carottes en dés, 1 kg de carottes en rondelles et 1 kg de carottes en bâtonnets. Et tout ça passe au congélateur jusqu'à ad vitam aeternam, parce que la congélation, vous pouvez garder autant que vous voulez. Du moment que vous ne vous amusez pas à faire du chaud-froid tout le temps, vous pouvez juste les sortir pour prendre ce qu'il vous faut, mais les remettre aussitôt au congélateur. Là, par exemple, là pour les lasagnes, ça, c'est 2 ingrédients que bah, j'achète souvent pendant mes courses. C'est les carottes. Vous voyez, là, il va me rester que ça. Je crois qu'il me reste que ça en carottes. Donc, j'ai largement assez pour faire la recette. Là, je pense que je vais utiliser la moitié. Et ensuite, l'autre moitié, je le remets au congélateur. Donc là, j'ai des carottes en dés. Est-ce que j'ai mis la date? Non, il n'y a pas la date, mais je pense qu'elle date d'il y a au moins 4 mois, ces carottes. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai du céleri. Ça aussi, c'est quelque chose que bah, je sais que quand je fais des lasagnes, en fait, de toute façon, le céleri, je m'en sers soit pour les lasagnes, soit en soupe. Donc, en fait, je me suis pas cassé la tête, j'ai juste fait en petits dés. Donc, de toute façon, même si je mets dans la soupe, je prends la quantité qu'il me faut et je mets dans la soupe. Parce que de toute manière, à part faire en dés, je m'en sers pas autrement, ou alors en velouté, en soupe, etc. Donc, voilà. Donc, pareil, le céleri. Ah oui, bah là, il y a une date. Le céleri branche, il date du 19 janvier 2022. Donc pour vous dire, voilà tout ce qui me reste encore. J'ai encore tout ça. Voilà. En fait, pourquoi j'explique ça, c'est que souvent le soir, bah qu'est-ce qu'on mange, nanana. Puis on se dit, je mangerais bien des lasagnes. Et puis on se dit, oh là là, faut couper les légumes, faut faire ci, faut faire ça. Alors que là, en fait, mes légumes sont déjà tout prêts. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de prendre ce qu'il me faut et de mettre dans le fait tout. En fait, c'est lui qui travaille. Moi, je fais quasiment rien. Donc, bon, après, moi, j'ai ça. Tout le monde n'a pas forcément ça, mais c'est pas, ça revient au même que d'avoir une casserole. Vous mettez tout dans votre casserole et en fait, ça va mijoter. Et vous avez juste à préparer les ingrédients, ça va mijoter. Ou vous venez juste de temps en temps touilloter un petit peu. Et puis, vous allez vous rasseoir dans votre canapé, regarder Netflix, rester en famille pendant que ça cuisine tout seul. Et en attendant, vous n'aurez pas passé 1 heure à couper en petits dés, nanana, etc. Donc voilà, juste pour ça. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo vraiment explicative sur la congélation, comment faire, etc. Parce que moi, je faisais déjà ça avant. Enfin, chez mes parents, c'était ça aussi. On congelait beaucoup. Donc, en fait, j'ai un peu pris le pli. Et quand je suis devenue maman avec mon fils, je faisais tous ces repas maison, donc tous ces petits pots, etc. Je les faisais tout moi-même. Et en fait,
Bah, en fait, il avait ses repas de prêt sur 3 mois, par exemple. Donc, pendant trois, je prenais deux journées, justement, une journée où je faisais mes courses. Le lendemain, je préparais tous ses repas. Et en fait, pendant 3 mois, j'étais tranquille, j'avais plus qu'à sortir et décongeler, etc. Bon, là, c'est vrai que j'ai pensé à expliquer comment je faisais, etc. Mais c'est vrai que maintenant, mon bébé, il a 4 ans. Donc, je suis plus trop dans la diversification. Donc, flemme un peu de me lancer dans une vidéo diversification, etc. Mais sans problème que je pourrais vous faire une vidéo explicative sur la conservation, la congélation, comment faire, etc. pour utiliser. Là, la grande partie des ingrédients que je vais utiliser pour cette recette sont congelés, le parmesan, il est congelé, le gruyère, il est congelé, mes légumes sont frais, mais congelés. Ce sont des légumes frais. En fait, il y a ça aussi parce que même si j'utilise beaucoup congelé, j'ai beaucoup de mal avec les légumes du commerce congelé. Même si, par exemple, il y a une période où j'ai acheté beaucoup chez Picard, parce que, en fait, j'ai du mal à. Comment dire, j'ai du mal à supporter les aliments déjà tout préparés, donc c'est pour ça que je fais énormément maison. Pendant un moment, j'allais chez Picard, je regardais bien derrière pour prendre des légumes qui soient que des légumes sans conservateur, rien du tout. Au début, ça allait, mais au bout de quelques temps, bah, même ça m'écœurait alors que c'était vraiment que des légumes. Mais je sais pas, il doit y avoir un truc avec les trucs du commerce, ou doit y avoir quelque chose, je suis sûre, il doit y avoir quelque chose, mais ça m'écœure alors que mes propres légumes, quand je les congèle moi-même, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je développe là-dessus. Je ne vais pas tarder plus que ça. Et je vais commencer par la recette de lasagne. Pour les lasagnes, il vous faudra. Alors là, ça va être des lasagnes, on va dire, 90% maison. Donc il y a juste la pâte qui sera industrielle. Juste ça, du coup je vais vous montrer, hein. J'ai juste la pâte de lasagne. Alors moi sincèrement je prends toujours prix discount, hein. Je m'embête pas à chercher de la qualité. Moi j'aime bien al dente parce que Valentina, voilà, j'aime bien al dente. Moi si tu me fais des pâtes à l'eau, ça va pas du tout, je mange pas. Voilà. Donc moi j'aime bien al dente et avec cela j'arrive à avoir des lasagnes al dente croustillant sur les contours surtout. Moi j'aime bien manger tout ce qui est contour. Même pour les gâteaux j'aime bien manger les contours et même les quignons de pâte, tout ça. J'aime bien quand c'est dur. Oh my god. Ah. Bref. Donc moi j'utilise celui-là. J'ai déjà essayé avec les Barilla. Les Barilla pâte fraîche. Pareil, pâte fraîche. Ça devient ramollo une fois qu'on met au four pour cuire. J'ai déjà essayé de faire des cannelloni avec de la pâte fraîche aussi à la maison. Mais la pâte, elle était un peu trop épaisse. Donc, je vais faire encore plus fin. Je testerai aussi les lasagnes avec de la pâte fraîche. Et si c'est une réussite, je vous le dirai. Voilà. Donc, voilà. Donc et ensuite, il faut la béchamel. Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir la recette de la béchamel, la recette du ragoût. Le ragoût, ça va pas être recette rapide comme le poulet caramel. Là, cette recette, il faut quand même prévoir au minimum 1 heure et demie. 1 heure et demie, même 1 heure et demie pas de préparation, mais enfin, oui, de préparation. Mais c'est pas 1 heure et demie où vous allez être actif dans la préparation. C'est 1 heure et demie où lui va bosser et le four va bosser à votre place. Donc voilà, en fait, parce que du coup, rien que le ragoût, il faut compter minimum 45 minutes de mijotage. Mijotage, pas ça se dit, mais mijotage. Pour mijoter. Parce que là, en fait, on va faire une vraie sauce pour les lasagnes. On va pas faire. Sinon, autant prendre une boîte de conserve, les gars, ok? Donc voilà. Et également. Écoutez, hein, de toute façon, je vais vous dire les choses au fur et à mesure de la vidéo. Donc, vous n'avez qu'à vous asseoir et puis regarder. Et voilà. Alors, on va déjà commencer la recette par le ragoût. Comme ça, pendant que le ragoût cuit, on pourra préparer la béchamel. Il vous faudra à peu près 2-3 carottes coupées en dés. Ici, du coup, pour moi, comme il sort du congélateur, j'ai 200 grammes de carottes. Ensuite, il vous faudra également une à deux branches de céleri. Donc ici, moi, j'ai 130 grammes de céleri coupé en dés et congelé.
Ensuite, il vous faudra également deux gros oignons, soit deux gros oignons, soit deux petits oignons, trois petits oignons, pardon. Voilà. Il vous faudra également trois gousses d'ail. Il vous faut aussi du vin. Alors ça, c'est un truc à avoir chez soi. Les petites bouteilles de vin comme ça de 25 centilitres. C'est le truc à avoir chez soi. Donc là, il nous faut du vin rouge. Mais c'est bien d'avoir également du vin blanc dans son placard. Des petites bouteilles de vin comme ça. Du vin rouge et du vin blanc. Le vin blanc notamment pour les risottos, etc. Pour avoir des choses quand même un petit peu élaborées. Donc moi, j'ai un petit stock. Je ne bois absolument pas, mais j'ai beaucoup de vin dans mon placard. Donc ici, on a le vin. Il vous faudra également environ 500 ou 600 grammes de viande hachée. Pareil, vous voyez, il sort du congélateur, moi aussi. Ça, j'aurais quand même pu le décongeler depuis hier, hein, mais j'ai oublié, tout simplement. Voilà. Il vous faudra également, bien sûr, il n'y a pas de recette italienne sans huile d'olive, hein, bien sûr. Voilà. Il vous faudra également de l'eau. De l'eau. Je l'ai mis, mais en vrai, j'aurais pu ne pas le mettre. Mais bon, après, voilà. Je mets de l'eau. En fait, il n'y a pas de quantité à avoir. C'est juste de l'eau pour la sauce, encore une fois. Ça, c'est à vous de voir en fonction de la onctuosité que vous voulez pour votre sauce. Il vous faudra également de la purée de tomates, de la passata di pomodoro. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la purée de tomates. Hein. Vous pouvez également prendre... Vous pouvez prendre aussi de la pulpe de tomate, ça fait le job aussi. Hein. Moi, parfois, je le mets vraiment comme ça, brut. Ou alors, parfois, je le mixe dans mon... Je mixe la pulpe de tomate pour avoir une purée. Enfin, ça va être une purée un peu plus liquide, du coup. Mais ça marche tout aussi bien. Mais aujourd'hui, je vais vous faire la recette, du coup, avec la purée de tomate. Donc voilà. Et in fine, il vous faudra un bouquet pour la sauce. Donc c'est un bouquet avec du thym et du laurier. Il vous faudra également du sel et du poivre. Vous pouvez aussi ajouter de la basilic, hein, mais moi j'en ai pas. J'ai du basilic comme ça. Mais bon, voilà. Vous pouvez aussi en avoir, mais si vous en avez de la fraîche, c'est encore mieux. Donc voilà, moi j'aime bien faire les recettes avec ce que j'ai à la maison. Donc tous ces ingrédients, c'est des choses que j'ai tout le temps à la maison en fait. Donc s'il me manque du basilic, c'est pas grave. Si vous, par exemple, s'il vous manque du vin, c'est pas bien grave, j'ai envie de dire, mais c'est quand même mieux de l'avoir lui. Hein. Si vous manque de la tomate en purée. C'est pas grave, vous prenez de la pulpe de tomate. S'il vous manque, qu'est-ce qui pourrait vous manquer qui peut être pas grave? Bon, en fait, en vrai, pour les lasagnes, vaut mieux quand même avoir ce qu'il faut. ouais, voilà, le basilic, on s'en fout. Enfin, même parfois, le sel, si vous en avez pas, c'est pas grave parce que en faisant tout ça, là, vous allez avoir du goût parce que moi, je cuisine pas souvent avec du sel. Là, pour les recettes que je vous partage, je mets du sel. Pour vous dire, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre le sel et le poivre. J'ai dû retourner un petit bout de vidéo pour la rajouter à la vidéo. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré tout ce qu'il faut pour le ragoût. Donc c'est là où on a vraiment besoin de plus d'ingrédients parce que le reste, après, il n'y a plus grand-chose en fait. Donc je vais vous montrer déjà le ragoût. Pendant que le ragoût est cuit, ensuite, on passera à la béchamel avant de passer ensuite à l'assemblage. On va déjà commencer par préparer, éplucher et couper nos ails et oignons. Aïe, j'ai épluché mes oignons, ail, tout ça, je les ai rincés. Donc là, je vais les couper très finement. Ce qui est très important dans la recette des lasagnes, c'est de couper ces légumes de manière très 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 fine. Parce que ainsi, on va avoir les saveurs, mais ils vont fondre tellement bien dans la bouche qu'en fait... Vous allez, en fait, ça va être une explosion de saveurs. Plus c'est fin, mieux c'est. Donc là, en fait, je fais des lamelles très très fines avant de couper finement en dés. Bon, là, je mets comme ça pour éviter de me couper. Je suis pas chef cuistot, hein.
Donc, j'ai pas le stock. Non, ça, je sais pas faire. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très fin. Voilà. Même là, vous voyez, j'en vois quelques-uns qui sont pas assez fins. Je vais les chercher. Et même, je fais comme ça pour avoir toujours plus fin. Voilà, mes oignons sont prêts. Donc maintenant, je vais m'attaquer à l'ail. Pour l'ail, en fait, je vais d'abord l'écraser. Hop là. Voilà. Et voilà. Donc là, je l'ai écrasé. Je vais le couper en tout petits morceaux. Pareil. Attention les doigts. Le fait de couper finement aussi, ça permet, si vous avez des enfants qui sont récalcitrants sur les légumes et tout, bah en fait, ils le sentent pas. Donc voilà. Ça, après moi, mon fils, il s'en fiche un peu. Mais je sais qu'il y a des enfants qui aiment pas trop, qui sont un peu difficiles au niveau bouffe. Voilà. Je mélange avec mes oignons parce que c'est bon, je vais pas salir une assiette de plus. Hein. C'est bon là, j'en ai déjà assez sali. Hop, je mets mon ail ici et on va passer à la préparation. En fait, vous voyez, là c'était déjà prêt, là c'était déjà prêt. J'avais plus que ça à faire en fait. Ça prend 5 minutes ça. Bon là, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je filme en même temps. Mais ça prend juste 5 minutes de... Bon, 5 minutes et des pleurs. Allez, on va passer à la suite de la recette. Aïe, à savoir que je suis une vraie KitchenAid addict, donc j'ai toute la panoplie quasiment des appareils KitchenAid. Il m'en reste encore quelques-uns à acquérir, mais ça ne saurait tarder. Donc là, la recette, moi je la fais avec mon robot, mais vous pouvez la faire sur une casserole, c'est pareil. C'est juste que là, en fait, le fait de le faire avec un robot, bah, pendant que ça mijote, moi ça me permet de faire autre chose en étant sûr que ça ne brûle pas. Donc voilà. Donc je vais mettre mon petit bras mixeur. Enfin, c'est, on va dire, c'est ce qui me sert de louche là-dedans. Donc voilà. Si vous voulez, je pourrais vous mettre la référence de cet appareil-là. Il me semble que ce n'est pas du tout le dernier modèle qui existe. Je crois qu'il y en a un qui est arrivé juste après. Voilà. Moi, j'ai celui-ci qui me convient très bien. Donc j'ai mis mon bras. Je l'allume, tac tac, je mets un petit peu d'huile d'olive. Alors pour une anecdote, mon conjoint est normand et faut savoir que les gens du nord, ils mettent du beurre mais absolument partout. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Donc quand on s'est connus, il a fallu vraiment que je l'éduque là-dessus. J'ai dû mettre un hola parce qu'il me mettait du beurre partout. Alors que moi, je vis avec de l'huile d'olive. Donc voilà, c'était juste une anecdote comme ça pour dire, mon Dieu, l'horreur. Après, vraiment, l'huile d'olive, c'est à l'œil. Hein. Donc là, je mets mes oignons. Tac, tac. Je ferme. Et ensuite, je mets en mode frire. Donc je mets au max. Pendant 2 minutes. Moi, je lis jamais les instructions, je fais par moi-même. Et ensuite, hop, on va laisser mijoter par intermittence. Et on va attendre que ça prépare. Ça y est, les 2 minutes sont passées. Hop, ça frit. Je rajoute le céleri qui a eu le temps de décongeler depuis tout à l'heure. Et je remets par 2 minutes. Là, je vais mettre un petit peu moins fort. Je vais mettre, 110, c'est bien. Et pareil, 2 minutes. C'est parti.
Donc là, et ensuite, là, je laisse tourner continuellement. Ça y est, les 2 minutes sont passées aussi. Nickel. Oh là 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 là, ça y est, ça commence déjà à sentir bon. Mon Dieu. On va passer aux carottes. Je vais mettre les carottes aussi. Hop, et pareil, je vais laisser pendant 2 minutes également. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Et voilà, donc 2 minutes. Alors, vu que nous, on a un super appareil qui nous fait tout et que, bah, en fait, on est là pendant les 2 minutes à chaque fois à se tourner les pouces comme ça. Non, je ne me tourne pas les pouces. Je vous montre ce que je fais en attendant. C'est que, bah, toutes les assiettes que j'avais là pour mesurer sont propres. Donc, je vais laver celle-ci. Fait que je prépare, mais en même temps j'ai une cuisine qui est assez organisée, donc là je vais même le sécher, comme ça c'est fait aussi. Que là il me reste encore 1 minute et vous allez entendre le ting 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 avec moi. Si c'est pas beau ça, pile poil. Et on va retourner à la recette. Hop, j'ai rapproché la lumière aussi quand même, c'est mieux. Non mais regardez-moi ces couleurs, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Non mais vraiment. Donc vous pouvez déjà vous imaginer l'odeur que j'ai ici. Hop. Maintenant, on va commencer à mijoter. Alors par contre, moi, vraiment là, j'ai merdé parce que vraiment, j'ai oublié. Et pourtant, ça faisait une semaine que je me disais, pense à sortir la viande du congélateur. Pense-y, pense-y. Ah non, Valentina n'y a pas pensé. Donc voilà, j'ai coupé un petit peu comme j'ai pu. Donc je mets ma viande. Hop, hop. Et hop, je ferme, je mets en mode mijoter. Tuc, tuc, tuc. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Donc, mijoter, ouais, 100, là je vais mettre plutôt 10 minutes. Là, je vais baisser et je vais mettre seulement par intermittence parce que le problème de ces robots, c'est que ça a tendance à battre tellement fort que ça détruit la viande en fait. Une fois j'avais utilisé, enfin la première fois que j'avais fait des lasagnes avec, moi j'avais laissé le truc tourner continuellement et en fait ma viande elle était sortie toute, c'est comme si ça avait fait l'effet d'un mixeur en fait. Donc ma sauce elle était toute liquide, il n'y avait plus de croustillant, rien du tout. Donc là je laisse comme ça parce que la viande elle est congelée. Mais si elle n'était pas congelée en fait, je serais juste venue de temps en temps moi mettre un petit coup en fait. Donc on va laisser les 10 minutes et on se retrouve après. Ça y est, ça a fini de mijoter. Je vais rajouter mon vin rouge. Je mets toute la bouteille hein. Donc là où vous mettez environ 20-25 cl. Donc là il y a 25 cl, donc je mets tout comme ça, poubelle.
Je tuk tuk tuk, je gratouille les parois. Cette recette, elle est adaptée à tout le monde, hein, même les enfants, hein, parce que de toute façon, l'alcool, ça s'évapore après. Hein. Mon fils n'a jamais été bourré après avoir mangé des lasagnes, je vous rassure. Hop. Là, je vais mettre à mijoter. Je vais mettre 45 minutes, une heure même. Parce que de toute manière, après, je vais rouvrir pour mettre les ingrédients qui restent. Donc là, en fait, je vais juste mettre une heure. Et après, je vais ouvrir pour mettre ce qui reste. Voilà. Hop, pareil, je baisse un peu. Et je vous dis, on se dit dans 5 minutes. 5 minutes et ensuite, je rajoute ce qui reste. Et après, ça va mijoter minimum 45 minutes. Voilà, ça fait un petit peu plus de 5 minutes maintenant. Je vais mettre pause. Je vais ouvrir mon truc. Pareil, je vais gratter les parois. Et c'est là qu'on va mettre toutes nos épices. Donc là, je vous mets le bouquet. Pouf, comme ça. Le basilic, on va en mettre un peu aussi. Voilà. Vraiment, je vous conseille vivement de la basilic fraîche, hein, mais là, j'en ai pas. Mais si vous pouvez, de la basilic fraîche, c'est le must. Du poivre. Du sel. Vous mettez aussi la tomate. Et c'est reparti. Il n'y a plus qu'à mettre play. Donc là, en fait, on va laisser mijoter minimum 45 minutes. Moi, j'aime bien, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc là, il me reste 54 minutes. Je vais les laisser 54 minutes mijoter tranquillement. Et en fait, on va se rejoindre 10 minutes avant la fin que le ragoût mijote. Hop, là, je le mets par intermittence, pardon. Donc, 10 minutes avant la fin, on commence à préparer la béchamel. Comme ça, en fait, la béchamel, elle attend pas trop longtemps et ça évite que ça fasse un film sur le dessus. Donc, la béchamel, vous la commencez vraiment 10 minutes avant que ce soit prêt. Moi, par exemple, ici, je fais dans un robot, donc j'ai pas besoin de revenir à chaque fois. Vérifier parce que en fait ça touille tout seul par intermittence. Mais si vous faites sur la casserole, bah il faudra quand même aller tous les 10 minutes à peu près venir touiller un peu. Donc quand je dis 10 minutes, c'est que bah en fait vous venez 4-5 fois maximum quoi. Touiller un petit peu, mais vraiment faites attention, c'est à feu doux. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est à feu doux qu'il faut faire ça. Donc là pareil, on est à feu assez doux, on va dire. Je pourrais mettre à 80, mais je ferai ça tout à l'heure. Je le baisserai à 80. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à tout à l'heure pour la béchamel. Hello! Finalement, j'ai décidé de vous faire la recette de la béchamel dans une vidéo à part. Je vous mettrai le lien de la vidéo de la béchamel en barre d'infos. Comme ça, au moins, ça raccourcit un petit peu. Sinon, ça nous fait une vidéo méga, méga, méga longue. Je me suis dit, oh là là, j'ai trop parlé. Mais il y a tellement de choses que j'arrive pas à sélectionner. Donc, je vous ai mis la vidéo à part. Comme ça, vous avez juste à suivre le lien pour avoir la recette de la béchamel. Vous allez voir, c'est ultra simple. Aïe, mon ragoût est prêt. Ma béchamel est prête là-bas qui m'attend. Donc, je vais pas trop tarder à faire l'assemblage avant que ma béchamel elle commence à être... Vous savez le film qu'il y a quand il y a du lait un peu là, j'aime pas. Bref, je vais vous montrer cette merveille. Voilà. On va enlever ça. Voilà. Ça, en vrai, c'est une sauce bolognaise. Hein, donc, vous pouvez vous en servir aussi pour des pâtes à la bolognaise. Donc moi j'ai laissé mijoter une heure là du coup, une heure de mijotage. C'est pour ça que je vous dis en fait, il n'y a pas grand chose à faire en soi.
c'est vraiment attendre. Donc c'est pas une recette sur laquelle on peut se lancer à la dernière minute quand même. Là, pardon, vous voyez pas. Attendez. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc là en fait, moi j'enlève mon bouquet garni. Je m'en lèche les babines. J'enlève ça. Et voilà. Au final, c'est vraiment comme je vous dis, en fait, moi, je vous montre les choses, mais après, c'est à vous aussi d'adapter. Regardez l'eau que je vous ai montré tout à l'heure. Je m'en suis même pas servi parce que je trouvais que ma sauce, elle était assez liquide comme ça. Donc, vous voyez, ma sauce, elle est juste parfaite, là. Elle est tip top. Nickel. Avant de passer à l'assemblage, quand même pensez d'allumer son four à 210 degrés à chaleur tournante. Et ensuite, on passe à l'assemblage des lasagnes. Pour terminer nos lasagnes, il va nous falloir bien sûr la sauce bolognaise ragout qu'on a préparée. Hop, des feuilles de lasagne. Il va nous falloir également la béchamel. Hop. Voilà, ça, le film se forme très très vite. Il va nous falloir également du gruyère et du parmigiano reggiano. Ça, pareil, hein, je les ai sortis du congélateur, les deux. Allez, je commence. Je mets un petit peu d'huile d'olive sur le fond. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est plus simple après. Surtout pour laver après. Ça glisse tout seul. Donc j'en mets vraiment de partout. C'est comme quand vous faites un gâteau en fait. Mais avec de l'huile d'olive. Toujours pour rester dans l'Italie. L'huile d'olive. Pas du beurre s'il vous plaît. Le beurre c'est que pour la béchamel. C'est tout. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je commence par mettre de la béchamel au fond. Hop, hop, hop. Je mets un peu de sauce. Moi, j'aime bien quand c'est tout mélangé, donc je mélange. Hop, comme ça, au moins, je sais que c'est bien réparti partout. Parce que des fois, vous en mettez là, et après, il y a de la béchamel que ici. Et puis, il n'y en a pas ailleurs. Donc, moi, j'aime bien mélanger. Au moins, je sais qu'il y en a de partout. Et là, comme les cassés sont dans l'autre sens, bah pour le prochain étage, je ferai dans les cassés sur l'autre sens. Hop, donc là, je mets de la sauce. Là, on en a de partout.
J'essaie de mettre de manière le plus homogène possible. Vous pouvez mettre aussi de la mozzarella. Hein. Mozzarella, c'est très très bien aussi. Hein. Mais là, je mets de l'emmental. Mozzarella. La mozzarella. Quand je parle en français, en fait, je suis tellement pris dans l'élan de l'accent français que bah, y a des trucs qu'au lieu de dire mozzarella, je vous dis mozzarella. Même mon prénom, hein. Même mon prénom, au lieu de dire Valentina, je dis Valentina. Alors qu'à chaque fois, ça m'énerve, mais je continue à le faire. Bref. Donc là, comme je vous ai dit, ça sort du congèle. Le parmesan n'est pas obligé à chaque étage, mais bon. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Voilà pourquoi on n'est pas obligé à chaque étage. Donc, je suis obligée de me laver les mains à chaque étage. Voilà, là, je vous ai montré comment démarrer votre montage par le bas et puis le premier étage. Vous n'avez plus qu'à faire 3 étages encore comme ça et ensuite faire le haut et après, ce sera tout. Là, ça va être le dernier étage avant de l'étage du haut. Donc, là, on donne tout. Avec la sauce, la béchamel, on donne tout. Donc voilà, là c'est notre 4e et dernier étage. Vous mettez votre 4e rangée de lasagne et ensuite vous n'avez plus qu'à recouvrir avec la sauce et la béchamel, le parmesan, l'emmental et voilà. Et après, il n'y a plus qu'à enfourner. Vous voyez, les préparations sont vraiment faites pour pile poil assez. Donc c'est un vrai plat de lasagne, hein. Donc pas un petit plat. Si vous voulez faire un petit plat, moi, ce que je vous conseille, c'est de quand même garder les mêmes portions. Mais ensuite, une fois que vous avez fini, de séparer en deux la sauce et la béchamel. Comme ça, au moins, vous en avez d'avance pour une autre fois, plutôt que de refaire la préparation. Pareil, encore une fois, je vous donne des astuces pour gagner du temps. Ou alors, vous faites le gros plat comme ça. Vous divisez en deux et vous mettez la moitié à congeler. Mais ça, j'aime moins le fait de congeler les lasagnes. J'aime moins. Donc, je préfère congeler les préparations plutôt que le lasagne elle-même. Pareil, là, bah, on donne tout hein, au niveau béchamel aussi. On donne tout. Hein, on finit la béchamel. Hein. Vous voyez, le temps de la préparer, elle est devenue méga épaisse alors que tout à l'heure, elle était plutôt pas liquide, mais semi-épaisse, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais qu'elle était parfaite, même si elle n'était pas tout à fait bien épaisse parce que de toute façon, le temps d'assembler, etc., elle continue à s'épaissir. Oh, pareil, on donne tout. Pas de gaspillage. Là, ici, c'est comme le fond. Je mélange bien parce que c'est la partie qu'on voit. J'essaye d'avoir quelque chose d'assez homogène. Et là, j'ai un bout de thym. Je l'enlève. Là, ça ressemble... On dirait un gloubi-boule, les gars.
Et la touche finale. J'avais pris une fourchette à la base pour prendre le parmesan, mais je savais que ça allait me saouler, du coup je fais avec les mains. J'ai les mains qui sont froides, mais c'est pas grave. Bon, allez-y, allez-y, là, on y va, là, les gars. Hop, on est généreux. C'est des lasagnes, bordel. Là, je me lave les mains, on met ça au four 25 minutes au four à 210 degrés. Là, ça fait 10 minutes que mon four il est en train de chauffer, 10-15 minutes même, donc en même temps je parle, etc. Donc là, ça fait 15 minutes que mon four est en train de chauffer, donc c'est nickel. C'est, on met ça au four 25 minutes et c'est prêt, c'est tout. Vous laissez dans le four 25 minutes, ça fait tout seul, vous n'avez même pas surveillé. Je vous dis que c'est 25 minutes, c'est 25 minutes. Voilà. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à vous le faire. Donc, les lasagnes, vous pouvez les accompagner avec de la salade, généralement. Moi, je mange avec de la salade verte parce que, les gars, je pense que là, niveau calories, on y est déjà pas mal. Donc, une bonne salade verte, ça peut pas faire de mal. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, je vous demanderai de mettre un petit j'aime, ça booste toujours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt et surtout, bon appétit!